Somme, une voiture chute dans le fleuve, le corps sans vie d'un adolescent repêché. Personne n'avait signalé la présence de l'adolescent, ce qui avait d'abord amené les chercheurs à penser que tous les occupants étaient rescapés. Ce vendredi, les pompiers-plongeurs ont repêché le corps d'un adolescent de 16 ans au fond de la Somme. France Bleu-Picardie rapporte que la découverte survient une semaine après la chute d'une voiture dans le fleuve, à Amiens, Somme. Une disparition non signalée. Ce dimanche, deux hommes d'une vingtaine d'années qui se trouvaient à bord du véhicule et avaient réussi à sortir à temps ont été mis en examen. Le 10 novembre, vers 20h, quatre occupants avaient été identifiés, même s'il n'en restait qu'un à l'arrivée de la police. Personne n'avait signalé la présence de l'adolescent, ce qui avait d'abord fait croire aux chercheurs que tous les occupants étaient rescapés. Il aura fallu des renseignements externes pour qu'une nouvelle série de recherches soit lancée pour retrouver le jeune homme sans attache familiale. Un premier homme a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger et placé sous contrôle judiciaire. Un deuxième, qui serait le conducteur, a été placé en détention provisoire et mis en examen pour homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à personne en danger.